bonne Dieu docteur qui ou une personne qui peut côtoyer qui vraiment fait une différence dans la vie et dans la vie tout le monde. Dans le sens que docteur en lui-même dit un role model qui nous inspire de lui. Parce que beaucoup de gens connaissent comme un docteur, je connais comme un politicien. Et dans la chance que toi es docteur, aussi, je suis avec mes enfants. Je suis docteur depuis très jeune. Je suis docteur comme un voisin, je suis docteur comme un docteur. Parce que ce que consultation, c'est à côté avec la case. Mais très dernièrement, depuis que je suis un docteur dans la politique, mais avant ça, je suis avec beaucoup de monde. Comme un docteur, il montre moi qu'il n'est pas tout politicien qui dit être politicien. Docteur Bonne-Marie, il montre moi qu'il y a un monde qui vient être humain avant tout. Parce que le jour qu'il vient un docteur Bonne-Marie, après beaucoup d'années, sans aucune raison de, comment le dire, greed, qu'il accueille moi et qu'il aide moi, c'est un jour-là que je tape la porte, je viens comme un citoyen, un simple citoyen. Et docteur, il ouvre ses bras, il aide moi. Et de là, il tisse un lien, une relation qu'il crée, qui il donne moi l'espoir, qui pas du politicien, qui peut aider et attendre quelque chose de retour. Et pour ça, aujourd'hui, je prends un jour aujourd'hui pour me dire, docteur, merci. Merci, c'est un jour que vous nous ouvrez la porte, vous nous accueillez, moi et mon papa, dans mon bureau comme un ministre. Et aujourd'hui, cette fierté que vous pouvez vous accueillir avec vous, comme le secrétaire du parti, et me dire que même qu'il me fait la politique depuis 2005, mais depuis qu'il m'a avec docteur, sa formation, sa guidance qui m'a gagné, sa mentoring qui m'a gagné, c'est un Jimon qui lui a ouvert ce livre et lui a donné, il s'est donné. Et pour ça, je vais dire, docteur, un Jimon de qui nous, moi personnellement et monsieur, tout le monde, collègue de l'EPN, doit inspirer pour suivre ce chemin-là, pour suivre le chemin de l'honnêteté, pour nous montrer nous que l'humilité existait et que nous sommes capables d'être un grand politicien demain, mais nous restons tout le temps. Hein? Et qui nous tout le temps honnête dans toute ma nation. Et aussi, il y a une qualité qui, docteur, peut-être, il connaît qui, quelquefois, m'avait fort de caractère. Moi-même, me demandais comment on va comprendre Jimon sa quantité-là. Il fait un rôle de Jimon sa faiblesse sa quantité-là. Parce qu'il n'a plus pas tout Jimon, on va dire, Zoué n'aura faiblesse-là pour lui. Il dit, j'aimerais richement, beaucoup moins. Moi, je vais pour Jimon avant. Je comprends Jimon sa faiblesse avant. Et là, je vais pour moi. Mais vous pensez c'est ça même qui fait une raison docteur aujourd'hui, d'une faire carrière docteur. Mon docteur, vraiment, je comprends la peine du monde, je comprends les faiblesses du monde, et qui, ça montre moi, moi-même comme un jeune qui me donne en politique, me fier aujourd'hui qui me fait un docteur comme un role model et me rassurer qui, de là, vous suivre mon exemple qu'il fait de nous. Et je connais qui, dans ce 30 ans de carrière en tant que politicien, docteur contribuait beaucoup pour le pays. Chaque responsabilité qu'il nous donne, le pays nous donne, être ministre dans plusieurs secteurs, et docteur, il laisse une trace qui améliore la vie de Mauricien. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai 70 ans, je dis docteur, je souhaite beaucoup et beaucoup et beaucoup d'années encore parce que nous visons où? Nous visons qui est là pour montrer nous le droit chemin, pour qui vous dit nous comment nous visons faire la politique correctement et autrement. Parce que c'est la première personne sans qui vous pouvez dire méchamment pour d'autres. Vous êtes outil premier politicien qui t'invite de la. De l'avant pour dire qu'il vous a fait la politique autrement. Autrement dans le sens qui, où, et vous le remarquez depuis qu'il m'en avec vous, ou déjà, ou visionne de loin, bien en avance qui beaucoup. Vous finissez beaucoup de choses, vous finissez de ne pas connaître, vous faites de ça,
Mais après quelques mois, après quelques années, nous trouvons qu'il fait où tu dis à tout ça. Et dans ce cas-là, on demande au docteur, être avec nous, pas pour nous, dans le FTM, être avec tout le jeune qui est intéressé, parce que vous connaissez dans sa qualité-là d'en haut, pas nécessairement un jeune dans le parti politique pour être aide-nous à créer ça, l'île Maurice qui nous fait espérer. Maintenant, nous avons une soif, nous les jeunes, trouvons les choses sans l'île Maurice. Nous voulons un certain changement et nous demandons de nous continuer de nous ouer pour nous donner sa new Mauritius, sa new political ethics qui nous fait assoiffer et qui, mes enfants, ma génération et ma génération future qui fait venir, nous allons dire oui. Il fait bon vivre à Maurice et qui nous mène grand immune, nous mène politiciens avant nous. Il prend man steps, il prend man décision qui peut améliorer la vie. Cherchez docteur, vous vous dire où? Bon anniversaire de la part de tout le monde ici. Happy 70th anniversary and happy 30th anniversary also as a politician. Thank you. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X.
You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Et qu'il a accepté cette invitation-là aujourd'hui au nom du mouvement travail militant, MTM. Et vous me touchez par les paroles de Manu. Vous êtes bien qu'il y a un extra bon élève aussi. Merci. Il est vrai qu'il nous fait un mentoring, mais il y a un extra bon élève. Pour pas tenir l'intention, prendre la parole, juste à la fin, vous dire juste merci pour votre présence. Mais c'est moi, étant en temps de Mardini, que je ne suis pas capable de pas rappeler le jeu un petit chose. Parce qu'il est bon livré, qu'il ne les rapproche pas avec le PMSD. Mais moi, avec Xavier, qui est revenu aussi dans le même époque, hein, mais surtout moi avec Xavier, nous nous rentrons dans le Parlement, nous posons les pieds dans le Parlement pour la première fois, ensemble. Nous sommes dans l'Alliance bleu-blanc-rouge, et nous faisons nos carrières politiques, nous sommes députés, et nous rentrons dans le Parlement le même jour. Ça, c'est une chose qui vous a retenu, mais les plus qui naturel, qui nous comprend nous-mêmes, vous avez travaillé. Mais deuxième, c'est qui est plus important encore, pourquoi ça vient même une petite faiblesse, on rappelle un peu les temps de là, parce qu'il y a tellement quelque chose qui, moi, me fait aller lui faire. C'est qu'il est élu pour la première fois, c'est une délégation qui est dans l'Aisne, comme avant le cadre d'un échange parlementaire. Et une grande députée qui, je le sentis, le speaker qui décidait, qui s'en allait pour ça avec Van Lille, Van Parti, avec le Zago, il me prend, moi, Xavier, Orvin, parce qu'il me présente un peu tout parti, hein. Et puis, non, pourquoi Alan Gallo, qui était déjà élu il y a avant, mais qui était représenté même, plus Adjaï Bébi, qui était le leader de sa groupe parlementaire. Le Nal d'Orlène. L'éternel d'Orlène, j'ai dit, vous savez, il y a un groupe, il y a un programme qui n'est établi à vous autres, mais si vous avez envie à faire quelque chose des autres côtés, mais qu'est-ce qu'ils ont pour faire? Dire. Mais nous n'assisons, nous n'avons pas d'organisateur là-bas. Mais là, moi, j'ai un débat de camarade, connais-moi, excuse-moi, je comprends, nous dans l'île Maurice, mais nous dans l'Aisne, là. Je dis, je vous apprends un petit peu, hein, parce qu'il y a un endroit qui est hautement connu pour la religion, les Ganga, etc. Tout le monde, tout le touriste entier du monde, allez, mais c'est habillé. Le bizarre ganga qui te dit, il m'a fait un problème, nous dans le ganga, et Xavier qui a ce sujet pareil que moi, et nous le rentre dans sa délo ganga là, nous gagnons sa bénédiction, et pourquoi grâce à sa bénédiction là, qui vient faire toute sa part politique là, et qui fait, il fait shine l'autre, il fait prier. Un paquet du monde qui me pose question, je sais pas, on nous connaît, il m'est rentré de faire leader de l'opposition pendant combien d'années, mais tu me poses question, mais il montre lui-même, il prouve lui-même, et il est encore un bon monsieur. Donc, moi, je voulais rappeler de ça. Tu là beaucoup, ben, les autres, en deux ans, encore. Et dans les temps, Navin Ramgoulam, qui quitte Parlement, qui est élu de l'opposition, mais il quitte Parlement, il a le complet de l'étude, en Angleterre. Mais tiens, moi, Xavier, Orvin, ça à l'époque-là, il tient un petit peu, comment dire, à cheval. Et là, du coup, tu peux écrire la cassette, il a le bois du texte, moi aussi. Moi aussi, c'était Madame Jacqueline. Hein? Lady Jacqueline. Bon, les petits, un petit peu, ça n'est pas grave, c'est déjà une vraie histoire. Nous avons été envoyés en politique avec nous, là. Déjà comme ça, l'aspect-là. Mais seulement, donc, les participants sont inutiles, mais Xavier est là. Nous travaillons ensemble. Et nous défendons Navin Ramgoulam, nous, à l'époque-là, pour son absence du pays. Et du monde, tu fais un colère pour mes qualités, mais nous vivons à la vapeur. Nous ne faisons pas du monde comprendre qu'il puisse accepter qu'il n'avait pas là pendant la vie. Et bon, on va pas rentrer ce qui s'en, on défend plusieurs fois aussi. Et il va nous reconnaissant, on va faire oublions ça. Mais c'est bon, Xavier finit quand même tout le temps politiquement et correct dans tout ce l'approche. Et je vous dis, le saut finulé, qui nous donne la responsabilité de l'opposition, qui est énorme dans une situation qui devait vivre actuellement. Hein, parce que tout le monde, vous voyez, c'est la réalité qui me posait tout le temps. Pas d'accord du tout avec ce gouvernement-là.
business sont rendus plus vite qu'ils capables. Mais soit les temps qui de côté, pas fait d'accord avec qui rentre ou l'homme qui risque de travailler ceci. Ça qui dans le connaissant. Et bien, bien faire comprendre, je voulais travailler, mais je ne voulais pas l'utiliser. D'accord, ça nous veut dire que moi, Xavier, causé, nous disons qu'il nous a fait qu'il comprend, qu'il ne nous a pas fatigué, nous, dans. Oui, d'accord. Je te propose de dire quelques mots, comme vous. Moi, tu vas finir là-bas. Donc, monsieur Salman, vous savez, comment tu peux défendre la ville hein? Moi, lit avec Sidic, tu as dit trois jours, qui tu peux faire triumvirat, tu peux. Si on l'île Maurice Pardou, pour répondre au travail, pour faire des infos et solides, et c'est qui nous réussit. Après, dans le gain du gouvernement, après, les 71. Donc, voilà, je ne rentre beaucoup dans mon détail. Je vais prendre un bon travail que nous pouvons faire le terrain. Je vais remercier tous les représentants du PNSD ici de tout cœur. Vous parlez mentionner de ton, parce que mon cas est lié, mais nous le Red Table, même les normales représentants, un niveau qui est valable, qui peut faire un très bon travail. Et je suis surpris, franchement, positivement surpris, quand je assiste à cette réunion et qui me trouve, ça va être jeune là, à sa dynamique qui fait avec l'intelligence politique. Vous êtes dans 10 ans là, il n'est pas facile, ça vous gagne sa quantité, l'expérience déjà. Et je t'ai dans un bel avenir devant eux, pour que je te bonne chance à l'occasion de ça à l'anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Passé, effectivement, mon souvenir, c'est que à un moment de l'histoire, le parti dont j'étais à l'époque le secrétaire général, on dit là, on dirait après une quinzaine d'années, pourquoi il était en dehors des affaires. Alors, nous prenons les choses en main. Et nous finissons sillonne le pays et toujours, je me rappelle qu'il y a un endroit qui change le cours de l'histoire à ce moment-là. Et non, bon, et d'abord même en tant que secrétaire général, il y a Sidic Djeni et ensuite Vincent. Alors donc, nous contents et nous très heureux de ce moment qui met nous ensemble et qui permet nous ensemble agir sur l'histoire. Et d'ailleurs, nous sommes extrêmement fiers de ce travail qu'il nous fait faire. Alors, donc aujourd'hui, étant donné qu'on est en arrière, bien sûr, il y a un peu de tristesse, parce que, un petit peu, surtout qu'en ce moment-ci, on va aller rentrer en politique active, parce qu'il faut mettre pas un peu à l'écran, mais comme un observateur qui essaye de comprendre ce qui est en train de se passer, il va sentir qu'il ne peut vivre un moment extrêmement difficile. Alors donc, on va aller comme si il n'est pas dans mon tempérament pour attaquer qui que ce soit, mais néanmoins, il nous va dire que le moment est grave et qu'il est bon qu'il, dans chaque coin de l'île, il va tout le monde réveiller un peu et dire voilà, qu'est-ce qui se passe. Parce que dans le monde entier maintenant, partout où je peux aller, il y a un réveil. Et c'est là qu'il faut penser que
le tournant dans l'histoire moderne pour écrire à partir de ce moment, quand un jeune garçon, il a son diplôme, il n'a pas pu qu'un travail, il revient un tracé, il fait un petit travail, il appelle Bouzizi, il est en Égypte. En Tunisie. Alors donc, pour moi, c'est le point de départ, pour voir que ça, c'est un point de départ extrêmement important, qui montrait une prise de conscience de la situation. Il finit molle, il brille lui-même. Et ça a réveillé les consciences, et tout de suite, il vient d'arriver, il trouve ça qu'appelle, je l'appelle le printemps arabe. C'est pas Dieu, tu peux le contester. Parce que tu peux ne plus accepter toute injustice, pas n'est pas normal que certains du monde vivent bien, de ne pas vivre bien. Et tout de suite après le vidéo du monde en Amérique latine, descendre dans la rue, madame avec une casserole peut taper, puis dire voilà, nous la justice. Donc les gens qui là-bas, ou qui côté l'Asie aussi, nous demandent des changements parce que la corruption, tu peux ne plus accepter. Même une madame est bien placée au Brésil, par exemple, la Corée du Sud. C'est-à-dire que ce qui m'est passé aujourd'hui, c'est une révolte contre l'establishment. Et les gens ont fait cause leur Trump. Et moi, je tiens maintenant, je vous dis, il peut gagner l'élection. Alors, je vous dis, un peu choqué parce qu'il y a une campagne, bien sûr, qui dit qu'il fait cause contre femme, il fait cause contre. C'est pas ça, tout ça n'est pas important. Simplement, c'est une révolte contre l'establishment. Et là, il a dit, mais Maurice, est-ce qu'il est là? Mais bien sûr, finalement, il faut l'establishment quand le Mauricien finit par la décision, balaye les deux leaders des partis qui sont conspirés contre le peuple mauricien. Donc, la conscience, la volonté de justice, d'équité, d'égalité dans le monde, il y en manque, cette idée-là, il y en manque. Et moi, ce soir, bon, mon éprire, on dirait, rentre-moi activement. Dans la politique, que ce soit pour un parti ou pour un autre, un observateur politique. Et d'ailleurs, moi, je vais faire une proposition sur le type de code électoral qui vise à énorme. Je vais voir si il y en a qui sont tout bonnés, qui profiteraient, mais pas pour profiter de l'anniversaire de mon frère, là, pour avancer pour ma idée. Mais simplement, ce qui est important, c'est qu'il nous fait vivre un moment important, c'est-à-dire. Oublier que nous, l'histoire à nous, c'est l'histoire de Maurice, à nous lier dans l'histoire du monde qui est en manche, en demande de justice, d'égalité. C'est ça, dans cette direction-là, qui nous peut aller. Et il faut surtout, quand on a aimé ma jeune, vraiment content, quand on l'a dit, l'avenir c'est aux jeunes. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque jeune prenne conscience qui peut passer, pas seulement de Maurice dans le monde, et qu'il faudrait qu'il y ait un lien. Par exemple, moi, je travaille avec l'Union africaine 4 ans, et beaucoup de bien, on a le faire analyse, on a le faire études de gouvernance dans plusieurs pays d'Afrique, on voyage partout en Afrique, beaucoup de bien, mon chef d'État, comment on vient dans la campagne, bonne zone du peuple. Alors, ça, qu'il faut dire, partout, on veut de la justice, et c'est ça qui est là, une bombe qui bonne zone. Prennent le fort, quelle que soit la partie, elle n'est pas importante parce que finalement, qu'ils jouent d'une partie ou d'une autre partie, elle gêne lui, sans qu'il apporte des parties, il a le même idéal, il a la même volonté d'amélioration de sa société, du pays quand il peut vivre. Bon, vous parlez d'un même, vous ressentez dans les mots trop politiques, tout simplement, vous profitez de cette occasion-là parce qu'hier soir, lorsque Vincent, il a évité de dire Dieu, mais comme en fait, il y a tous les jours, il y a 70 ans, et il fait join ce club-là. Mais non, moi, je vais être présent, donc je vais faire une devoir pour lui, et au nom personnel, au nom de ma femme, au nom de tous nos amis, et donc je vais bien sûr, de souhaiter joyeux anniversaire et longue vie familiale, sociale et politique. Merci.
teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?